Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Dirent les deux hommes en vêtements blancs. Déjà, rappelons-nous, au matin de Pâques, devant le tombeau, l'ange, il n'est pas là. Il fallait et il faut regarder ailleurs. Ailleurs? Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, qu'ils gardent ce que je vous ai commandé. Ce qu'il a commandé, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce que je viens de faire, moi le maître, c'est pour que vous fassiez de même, serviteur du lavement des pieds. Ce qu'il a commandé, par moi, gardez le visage de mon Père, visage de miséricorde, de pardon et de vie. Qui m'a vu, a vu le Père. Allez, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chrétiens, il nous appartient d'accueillir et de rendre vivante et toujours plus actuelle cette présence en nous, en nos communautés. Douterions-nous qu'il est toujours avec nous? Parce que les temps sont difficiles, les événements troublants, la morale malmenée, les contradictions. Douterions-nous de la promesse faite? Vous allez recevoir une force que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous en serez témoin. On ne peut pas douter. Entendons les paroles de Paul. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Il déploie pour nous, les croyants, l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, qu'il a ressuscité des morts. Il faut vivre ainsi avec foi et espérance. Allez, l'Église va ainsi entamer sa marche, les yeux rivés sur celui qui est la tête de son corps. L'Église, dit Paul, c'est l'accomplissement total du Christ. Quel programme, chers amis, à vivre pour nous aujourd'hui, fort de ses paroles, entrez et œuvrez pour cet accomplissement du corps du Christ, jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, nous avons à donner corps au corps du Christ et au cœur de ce monde. Oui, nous avons à avoir les yeux rivés sur lui, ce service de Dieu, service des hommes, service de ce monde qu'il aime. Allons! Bonne fête de l'Ascension, bonne mission.